Nous n'arriverons jamais. Ne pourrait-on aller plus vite? Fleurville n'est plus très loin, mon commandant. Qu'est-ce qui te prend, Paul? Voyons, tu m'appelles mon commandant, à présent? Excusez-moi, père. Rassurez-vous, à ce train-là, si les chevaux tiennent le coup, nous serons vite arrivés. Revoir ma femme, ma petite Marguerite. Je l'ai tellement souhaité qu'aujourd'hui, j'ose à peine croire à ce bonheur. Au revoir, Marie. Au revoir, Blaise. Au revoir, mes petites demoiselles. Nous reviendrons demain, Marie. Je t'en fais la promesse. Nous vous attendrons, chère Madame de Rosebourg. À demain, Mademoiselle Marguerite. Mon pauvre commandant serait-il heureux de vous revoir? Mon papa reviendra, Blaise, j'en suis certaine. Et Paul avec lui, n'est-ce pas, Sophie? Je le souhaite de tout mon cœur, Marguerite. Chère petite. Paul, es-tu certain de vouloir continuer à pied? Oui, j'en suis certain. Nous sommes presque arrivés. Père, comment vous dire? Vous allez revoir votre famille, moi, plus personne ne m'attend ici. Mes parents, ma tante, Sophie, tous ont disparu. J'ai besoin de m'accoutumer à cette idée. Tu connais Madame de Fleurville et ses deux filles? Justement, c'est trop difficile de revoir Camille et Madeleine sans Sophie. Cher fils, je comprends. Va, mais ne tarde pas trop. Tu sais que ma joie ne peut être complète si tu n'es pas auprès de moi. Je ne tarderai pas. En route! Ce cher Blaise, quelle figure il a quand il regarde Françoise et Marie! Il les mange des yeux. On croirait qu'il a peur qu'elles disparaissent. Tu ne dis rien, Sophie? À quoi est-ce que tu penses? Je pense que moi, je ne retrouverai jamais mon papa ni ma maman, puisque je ne les ai plus. Il ne me reste que Paul, et je ne sais même pas si je peux espérer son retour. Bien sûr que tu le peux, et même tu le dois. Tu verras, Sophie, papa et Paul vont revenir. Ce qu'on désire le plus fort n'arrive pas forcément. Aie confiance, Sophie. Allons, mes enfants, pressez-vous un peu. Yeah! Oh! Allez! Plus vite! Plus vite! Maman, qu'avez-vous? Maman? Plus vite! Plus vite! Depuis 5 ans, je n'ai vécu que pour cet instant. Mais si, ma tante, je vous assure, j'ai entendu une voiture. Mon papa! Oh, cher papa! Marguerite! Oh. Oh, ma toute petite fille. Paul? Sophie de Réan, est-ce possible? Oh, mon commandant! Paul n'est pas avec vous? Il est donc... Il est bien vivant, Sophie. Paul est vivant? Calme-toi, mon enfant. Je l'ai laissé non loin d'ici. Il lui fallait un peu de temps. Je suis sûr qu'il sera là d'un instant à l'autre. Je sais où il est. Sophie, attends-nous! Laisse, Camille. Pauvre petite. Quels affreux souvenirs elle me rappelle. Où est son père?
Par quel hasard se trouve-t-elle avec vous? Son père est mort depuis longtemps, monsieur. Madame de Fleurville a recueilli Sophie, comme elle nous avait auparavant recueilli Marguerite et moi-même. Chère madame, saurais-je pour cela un jour assez vous remercier? Je serai remerciée si je deviens votre amie, monsieur. C'est très bien, Monsieur Paul. À nous à présent, Miss Sophie. Miss Sophie. Vous n'avez rien appris aujourd'hui, Miss Sophie. Vous vous donnerez la peine de copier ces vers pour la leçon de demain. Tu aurais mieux fait d'apprendre ta récitation. Tu n'aurais pas à faire de lignes. Pourquoi tu n'as pas soufflé plus fort? Je n'entendais rien. Oh, pardon, ma chère. Je ne me doutais pas qu'il fallait crier pour que tu entendes. C'est bien toi. Pendant toutes ces années, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Moi aussi, j'ai eu peur que tu sois mort et... Paul, c'est le plus beau jour de ma vie. Mon cœur va exploser. Je suis trop heureuse, Paul. Et moi donc, ma Sophie. Je ne voulais pas croire que tu puisses revenir. Et tu es là, tu es vivant. Vivant. Paul est vivant. Vivant. Tu es vivant. C'était si dur de revenir ici en sachant que tu n'y serais plus. Je ne pouvais pas me faire à cette idée de revoir Fleurville sans toi. Je vis à Fleurville. C'est Madame de Fleurville qui me garde. Et mon oncle? Il est mort, Paul, là-bas en Amérique. Il avait la fièvre et c'est Madame Fichini qui m'a ramenée après son mariage. Car ils se sont mariés, sais-tu? Qui? Madame Fichini et papa. Mais ensuite, elle est devenue méchante. Si méchante! Parce que je me suis retrouvée seule avec elle. Elle n'a pas voulu rester en Amérique. Mais qui est cette Madame Fichini dont tu parles? Ma belle-mère, Paul. Elle est en Italie. Tu ne comprends donc rien? Non. On s'en moque. Nous parlerons plus tard. Viens! On dirait bien que Paul et Sophie se sont retrouvés. Le voilà! Tu connais Madame de Fleurville? Cher Paul, je suis si heureuse de te revoir. Viens que je t'embrasse. Madame? Mais tu ne connais pas Madame de Rosebourg? Mon garçon, laisse-moi te présenter ma femme. Mon ami, voici le plus généreux, le plus courageux de tous les garçons. Aimez-le comme je l'aime. Je suis heureuse de te connaître, Paul. Votre mari ne me voit pas comme je suis. Viens! Tu n'as pas oublié Camille et Madeleine? Et tu te souviens de Léon et Jean? Bien sûr. Bonjour. 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 Et moi alors? Tu ne me présentes pas? Paul ne me connaît pas. Pardon, chère Marguerite. Paul, voici la fille de notre commandant. C'est avec elle que je me suis le plus amusée. Et disputée. C'est vrai. Sophie ne voulait jamais parler de toi. Comment, Sophie? Tu m'avais oubliée? Tu dormais dans mon cœur et je n'osais pas te réveiller. Je te croyais mort et ça me rendait trop malheureuse. On savait qu'elle pensait à toi, mais on était là. Je me souviens. Déjà, quand nous étions petits, tu aimais beaucoup ma cousine. Je parierais que nos voyageurs sont affamés. Les bons gâteaux. Attends, tu n'as pas encore goûté cela. Et tu n'as pas mangé de celui-ci non plus. Sophie, arrête! Jamais je ne pourrais tout avaler. Voilà qui change de ce qui a été notre ordinaire pendant toutes ces années, mon garçon. Sophie, si maintenant tu me racontais ce qui t'est arrivé avec cette Madame Fichini. Ma belle-mère me battait.
Tous les jours, j'avais droit au fouet, aux fessées. Cette méchante femme, si je la voyais, je l'assommerais. Mais c'est donc un monstre. Oh oui, ça tu l'as dit. Un vrai monstre. Elle ressemble à un ogre. Et d'ailleurs, elle mange comme un ogre. Je suis Madame Fichini. Et je veux manger, tout manger. Encore. Et tu aurais dû voir comme elle était habillée. Chère madame, vous valez bien la peine qu'on s'habille. Ce n'est qu'une robe de bal, à peine bonne pour la campagne. Où sont mes bagues, mes plumes, mes volants? Et pour parler à Sophie, elle avait une grosse voix qui faisait peur. Je suis bien contente qu'elle soit partie. Et nous sommes bien contentes d'avoir trouvé une sœur, n'est-ce pas, Madeleine? Oui, une vraie petite sœur. Sophie, mais que t'arrive-t-il? Tout cela, c'est grâce à vous. Mon enfant. Il est pris! Vite, cette fois, il ne peut plus nous échapper. À toi, Léon! Touché! Comme tu cours vite! Et en portant Marguerite? Même toi, le plus grand, tu n'as pas pu le rattraper. Chaque fois, tu nous échappes. C'est parce que j'ai l'habitude. Avec les Indiens, j'ai appris à courir vite et à sauter les obstacles. Inutile de le dire, on s'en serait douté. Marguerite, tu m'emmènes voir les cabanes que vous avez construites? Viens. Quel bonheur d'avoir retrouvé Paul. Je me souvenais très très bien de lui. Il est toujours aussi gentil, drôle, aimable. Et vous avez vu comme il est devenu grand et fort. C'est vrai qu'il est devenu beau, n'est-ce pas, Sophie? Mes amis, j'aime tellement Paul. Je suis si heureuse qu'il vous plaise aussi. Eh bien, en voilà qui ne sont pas difficiles. Franchement, je ne comprends pas nos cousines. L'ont-elles seulement regardé? Léon! Je ne vois pas ce qu'il a de beau avec sa gentillesse affectée pour plaire à tout le monde, ses gros bras, ses grands airs. Tu devrais te taire, Léon. On pourrait croire que tu es vexé de ne pas avoir gagné une seule course contre lui. Vexé parce qu'il court vite et monte aux arbres? La belle affaire quand on ne sait ni lire ni écrire, car tu penses bien qu'après tout ce temps passé chez les sauvages... Arrête! Tu es trop mesquin! Je ne te parle plus! Comme vous voudrez, monsieur le sermonneur. Quand on aura besoin de vous, on vous appellera. Il se pourrait bien que je ne vienne pas. Ah! Jean, attends! Est-il bête, celui-là aussi? Beau travail! Vos cabanes me rappellent les huttes que nous avons construites chez les Indiens. Voulez-vous qu'on les termine? Ce ne sera pas utile. Nous nous en sommes sortis jusqu'à présent. Nous devrions pouvoir finir cette cabane sans ton aide. Dans ce cas... Viens, Paul. Avec Sophie, nous serions très contentes si tu terminais notre cabane. En voilà un ton pour répondre à Paul. Qu'est-ce qui te prend, Léon? Mais rien, Camille. Je souhaite seulement finir notre cabane tout seul. Paul, parle-nous des Indiens. Je vais vous raconter comment nous sommes installés. Voilà. Ça y est, nous sommes chez nous. Père! Laisse-les faire, Paul. Mon commandant, ce geste-là me déplaît. Et au diable ce sauvage et son bout de corde. Tu vas le mettre en colère, Blaise. Si nous les fâchons, ils sont 1000 contre un. C'est vrai, mon commandant. Le voilà, mon brave grand diable. Attache-moi et serre-moi trop fort. Mon commandant.
Cependant, si ce n'était pas pour vous obéir, je ne me serais pas laissé lier à ce diable rouge. Il n'en résultera rien de bon. Blaise, jusqu'ici, ils nous ont traités en amis. Il ne tient qu'à nous qu'ils continuent. Alors, je t'en prie, réponds à leur témoignage d'amitié. Il y va de notre survie. Hein ? Compris, commandant. Que signifiait ce lien qui vous attachait aux Indiens ? Accepter ce lien impliquait de ne plus se quitter. C'est pourquoi le chef invité partit en emmenant Blaise. Pauvre Blaise, il nous a raconté ça. Jamais je n'aurais pu me lier avec des êtres aussi primitifs, ni me faire à cette vie. Primitif toi-même ! Si tu y avais été obligé, tu l'aurais pourtant fait ! Tu ne trouvais pas le temps long sur cette île ? Oh si, mais Monsieur de Rosebourg sut me faire passer ce temps. Il m'a appris l'histoire, la grammaire, l'arithmétique. Il dessinait pour moi de grandes cartes de géographie sur des feuilles de palmier. Tu vois, le sauvage en sait autant que toi. Une grande partie du temps, on guettait le passage d'un navire. Paul ! Paul ! Tes amis te cherchent. On va à la chasse. On rapportera quelque chose de bon. Ce bateau est magnifique, mon commandant. Il nous emportera jusqu'en France. Souhaitons-le. Tout ce que je connais de la nature, les Indiens me l'ont appris. Ils sont ici, je m'en doutais. Grâce à eux, nous avons pu survivre, nous nourrir et aussi nous soigner. Mais comment faisiez-vous pour vous comprendre ? Comment ? Il ne vous a pas dit qu'il avait appris leur langue ? Ah, dis-nous quelque chose en indien, Paul. Belkamiane, Kuruglu. Que c'est joli, que c'est doux. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire « Je ne te quitterai jamais, ami de mon cœur. » Brézé, Nikuliché, Nané, Apra. Non, mon père, non, jamais, je vous le jure. Qu'est-ce que papa t'a dit ? Il a dit, quand tu seras grand, tu nous oublieras. Et moi, je réponds et je jure que je ne vous quitterai et ne vous oublierai jamais. Mon garçon. Laissez-moi vous annoncer en français qu'il est bien tard et que le dîner va être servi. Alors, ma petite Sophie, tu es heureuse? Ah oui, madame. Et vous parliez même en rêvant, mon père. Je me souviens vous avoir entendu appeler dans votre sommeil. Marguerite, Marguerite, ma femme, mon enfant. Nous parlions souvent de ceux que nous aimions. C'est ainsi que j'ai fini par très bien te connaître, mon enfant. Vraiment ? Je ne veux plus entendre d'histoires d'îles et d'indiens jusqu'à demain. Paul doit être très fatigué. Paul, fatigué ? Il en a vu bien d'autres. Nous avons passé des nuits et des jours à travailler, à marcher, à veiller. Il est robuste comme un marin. Mais les nôtres qui n'ont pas eu l'avantage d'une si terrible éducation doivent se reposer. Ils ont pris une part si vive au bonheur de Marguerite et de Sophie qu'ils ont besoin comme elles d'une bonne nuit. Vous avez raison, cher ami. Marguerite, Sophie, embrassez-moi. Oh, papa, que c'est ennuyeux de se coucher et de déjà vous quitter. Je vais prolonger la soirée en te portant dans ta chambre, mon enfant.
maman avait raison. En quoi ta maman avait-elle raison? Que disait-elle? Elle disait que vous étiez le plus beau et le meilleur des hommes. Que sans moi, elle mourait de chagrin. Qu'elle ne pouvait pas être heureuse sans vous et beaucoup d'autres choses encore. Alors c'est promis, demain tu nous racontes la suite de tes aventures? C'est promis, Jean. Il me tarde d'être à demain. Bonsoir tous. Bonne nuit. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Sophie. À demain, Jean. Sophie, pourquoi tardes-tu? Quelque chose ne va pas? J'ai peur d'aller dormir, peur de m'éveiller demain matin et que tu ne sois plus là. Je suis là, Sophie. Je serai là encore demain et tous les autres jours. Est-ce que tu auras oublié nos disputes, nos insultes, nos bagarres? Bien souvent, tu as souhaité me voir très loin de toi et tu ne t'es pas gênée pour me le dire. Oh Paul, c'était bien différent alors. Et puis j'étais petite. Une chose n'a pas changé. Tu as toujours raison. Merci. Merci de m'avoir donné une telle petite fille. Être si heureux, après tant d'années de désolation. Mon ami. Oh 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 ! Une vieille connaissance. Bonsoir, ma chère. Je la croyais morte et enterrée. J'ai eu besoin d'elle. Pendant longtemps, elle a été ma seule confidente. Paul, qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas, Sophie. Mais il y a une chose que je te promets. Je ne laisserai plus personne te faire du mal.